Bon, moi, ouais, j'ai un pile d'efforts qui a fait en Haïti, l'effort pour monter système d'utilisation en banking. Bon, moi-même, m'utiliser en a que moi, qui est très efficace, même si que j'ai un niveau de sécurité qui est aussi. Mais je pense que nous avons un pile d'efforts pour nous faire parce que avec le temps, banque, c'est seulement en ligne que l'effet. Cause Tech, je dis à nous un plaisir pour accueillir un professionnel senior qui travaille dans le domaine bancaire. Niels Zéphirin, merci parce que vous acceptez l'invitation Cause Tech. Bonsoir Gaël, nous saluons tous les internautes et Cause Tech, qui c'est un blog qui a fait un travail très sérieux dans le domaine technologie, promotion technologie, information et communication. Et nous pensons que nous pas trop gain en pile blog dans type domaine ça qui a évolué notamment pour information qui concerne Haïti. Merci un pile. Je tiens nous pas parler de causer sécurité informatique pour travailler dans le domaine bancaire qui sont un domaine qui est assez sensible. Moun a fait de plus en plus des transactions online. Semaine passée, nous avons groupe Facebook a annoncé que nous sommes capables de payer à travers Instagram, nous sommes capables de payer en marchant à travers WhatsApp. Mais nous avons nous fait un pile de transactions online. Dans le moment où nous avons parlé là, je ne veux dire, WhatsApp a actuellement une vulnérabilité en sécurité, côté que on pirate à travers un malware qui a accédé avec microphone nous. Ainsi que caméra téléphone nous si on fait un appel WhatsApp. Et WhatsApp fait sortir un autre côté que lui demande tout le monde rapidement update WhatsApp ou sous pour qu'on fait ça, fait ça vite parce que ça a permis de lui empêcher que vulnérabilité ça exploiter. Son bagage qui arrivait un pile ces jours-ci au niveau de groupe Facebook et nous pas fin trop sûr de qui gens nous capable sécuriser vie privée nous. Nous allons regarder avant aujourd'hui, qui façon pour qu'il soit capable de protéger les têtes, surtout de la faire transaction en ligne. Qui première façon que on est capable de faire? Bon, faut que nous disions qu'il y a une importance que développement et télécommunication viennent, c'est que l'objectif c'est améliorer les conditions de fonctionnement vie monde à travers les à travers la technologie. Mais outil technologie ça a tout gain en pile avantage en pile avantage et gain en pile inconvénient aussi. Donc il y en a et inconvénient que gain avant que nous t'a parlé de avantage. Il y en a inconvénient que gain qui constitue un risque et de perte pour tout et utilisateur, c'est que gain un risque de sécurité qui est énorme. Et à travers le risque de sécurité qui est énorme, ça qui existait, ou même comme utilisateur, ou toujours gagner obligation pour appliquer, pour implémenter, pour développer des mesures qui appropriées pour capable protéger tes tout, pour empêcher que ou victime, parce que quand pile monde cap utiliser technologie qui gagne de très mauvaises intentions. Donc, il y en a une première mesure que qui implémenter ou du moins ce que vous capable appliquer en tant qu'usager des outils de technologie, notamment des systèmes bancaires en ligne, c'est un caractère, un mot de passe qui est très robuste. Mot de passe robuste là, qui ça qui est là dans le brief, c'est que les gagnants ont enchaînement de au minimum de 8 caractères, notamment yon lettre majuscule, yon ou plusieurs caractères spéciaux, et puis yon lettre majuscule, ce qui est très important parce que certaines fois, tout autant que mot de passe est beaucoup plus robuste et beaucoup plus complexe, il empêche les gens qui ont de mauvaises intentions d'arriver à accéder sur le compte que vous avez utilisé, notamment pour les systèmes de transactions en ligne. Oui, parce que au cas où tout un système de sécurité physique, gain garde du corps, gain gardien, mais si les gens arrivent dans système d'information qui a pénétré normalement connecté sous compte, ça va servir. Et tout à fait. Et en plus de caractère de mots de passe très robuste que vous supposez et appliquer pour capable protéger tes tout, mais aussi les impliquer y a un changement sur une base régulière de mots de passe.
y a certaines institutions ou certaines organisations qui suggèrent 162 jours. Chaque 162 jours, il faut changer le mot de passe. Changer le plus régulièrement possible le mot de passe, c'est y a une mesure que vous êtes capable d'appliquer pour protéger tête contre des gens qui ont de très mauvaises intentions dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, notamment les systèmes bancaires en ligne. Sont qui gagnent pour protéger tête en utilisant les systèmes de transactions en ligne et c'est pas configuré email qui est lié à système bancaire là sous même numéro sous même téléphone et que vous utilisez. En nous prenant un exemple, ou rele Gaël Boubeuf ou gagne un email qui rele gael.boubeuf@commercial.cosetech.com cosetech.net, mais il arrive que même email ça ou configurer sur téléphone. Imaginez que téléphone ça perdu et adresse email ça c'est même adresse email ça qu'on utilise. En cas de perte ou d'oubli de mot de passe pour accès à système compte bancaire ou choisir mettre même email ça sur téléphone pour capable réinitialiser. Y a monde qui avisé dans domaine informatique une fois que il trouve téléphone ça qui ça que il y aller là dans aller dans inbox. Une fois arrivé dans la boîte de réception, il y a certaines informations bancaires que vous pouvez utiliser. Dès que moun, d'ailleurs, généralement, moun qui gagne de mauvaises intentions, qui a piraté le système bancaire, il y a déjà connaît tout ça que vous capable faire pour capable accéder à compte. Et à ce moment, qui ça que moun a fait d'ailleurs tout système bancaire en ligne, tout bon option, forgot password. Dès que vous cliquez sur forgot password, la demande adresse email. Mais il y a que adresse email qui configure sur téléphone, là, c'est les mêmes que ou gagner comme adresse email sur système bancaire là mon nan mete et puis cliquer reset password et à ce moment système ça va envoyer un lien bon sous même téléphone qui déjà perdu hein mon nan reset password là et la prend contrôle totalement de information bancaire et notamment compte bancaire et mon ça ka faire transaction à l'aise protéger c'est tout le fait transaction en ligne c'est pas partager information qui lié à compte personnel par exemple et gain de usager de système de transaction en ligne qui a habitude partager avec monde email yo et ainsi que mot de passe. C'est très dangereux puisque en faisant ça, monde qui recevoir information par contre qui comportement que li gagne en matière de sécurité informatique ou du moins en matière de discipline liée à utilisation technologique. En fait, sous aucun prétexte, on ne peut pas supposer partager password lui-même avec le département informatique. Là. Parce que département informatique n'a jamais demandé le password. Le département informatique a toujours dit voici votre credential et à ce moment, il y a un mot de passe temporaire. Et à travers le mot de passe temporaire, ça qui c'est une utilisation unique. En tentant de se connecter sur le système, on a juste demandé pour mettre un nouveau mot de passe. Et le mot de passe temporaire, ça va même permettre que vous accédez à l'information bancaire. Ok. Et sur les réseaux sociaux, évitez que nous partagions des informations qui sont trop sensibles, notamment les numéros des cartes de crédit ou du moins les mots de passe et tout ça qui est lié à système de transaction en ligne. Une amie à moi, qui a fait une transaction avec, partager immédiatement carte de crédit, photo carte de crédit liée avec. Donc ceci c'est pour gagner du temps, mais pour diable, il y a pile inconvénient parce que gagner de monde qui a de mauvaises intentions qui a sniffé sa transaction qui a passé sur les réseaux sociaux, notamment sur tout organe de communication instantané, de manière à ce que n'importe ça qui t'a cap sensible, qui a cap utile, les prenne. Et une fois que le plan, ça ne peut pas ignorer une méthode qui est capable d'utiliser pour décrypter l'information. Il y a des outils pour Wireshot qui est capable d'utiliser pour sniffer sur le réseau Internet. Là, côté exact. Faut connaître que, par définition, le réseau Internet son réseau côté que message transité en texte clair. Donc, il n'est pas encrypté. Donc, surtout si on essaie de faire une transaction en ligne, par exemple, dans un hôtel, dans un cybercafé, dans un espace public, tant qu'on a un porte, il faut toujours éviter de faire ça parce que le réseau Internet, ça, qui est Wi-Fi gratis, ça, c'est des Wi-Fi côté que n'importe qui monde capable de récupérer mot de passe sous lui.
Exactement. Et là, il fait, par exemple, là, il fait dans un aéroport, là, essayer de connecter, il dit ça, il a tout mentionné que site ça que vous avez connecté sous lien, voici les risques qui sont associés à lui-même. Une fois que vous connectez sous lien, mais qui ça vous gagne comme risque au point parce que vous êtes automatiquement vulnérable. Quelle mesure que nous sommes capables d'appliquer pour nous capables protéger d'être nous et assurer que n'importe quel site que vous utilisez pour carte de crédit ou c'est un site qui est sécurisé. Comment capable d'assurer que site que vous utilisez dans bas URL c'est un site qui est sécurisé. Comment nous capables d'identifier que un site qui est sécurisé? Premièrement, le site là a un petit clé devant adresse et site internet là et là commencer par là un protocole de sécurité qui c'est https://, et puis le site web en question. Et si depuis le pagaille S là, c'est HTTP seulement, elle dit qu'il n'y a pas un certificat SSL de sécurité hein, qui va permettre de dire, OK, oui, ça, c'est pour capable faire une transaction en ligne sur lui. Exactement, tout à fait, Gaël. Mais et plusieurs comportements que vous êtes capable de gagner pour protéger tout, ils dépendent exclusivement de vous-même. C'est le comportement que vous gagnez à travers l'utilisation d'outils en ligne qui déterminent sous comment que ou vulnérable ou pas. Comment m'expliquer ça? Par exemple, moi-même, moi utiliser un seul site internet pour moi faire shopping en ligne. Moi pas appeler dépasser 4 mois sur tout site qui vient, tout site qui offre tout ça, toute option que le gagne, moi utiliser. Moi juste utiliser un seul site internet. À ce moment, n'importe quelle transaction qui passe qui est suspicieuse, ça permet que automatiquement moi flag pour me dire banque moi attention cette transaction n'est pas de moi. Ok, donc so, ça c'est plus facile pour identifier une transaction que ce n'est pas vous-même qui fait parce que vous connaissez que l'habitude ou pas permettre que... Exactement. Donc globalement, le comportement de l'utilisateur, c'est les mêmes qui plus grande méthode de protection à travers l'utilisation du système, des systèmes en ligne. C'est le comportement usager, c'est les mêmes qui déterminent. En fait, les banques ont toujours un système côté que vous êtes capable garder habitude de consommation tout côté que exact. Si tu connais que c'est Haïti ou à vivre et qu'on pas jamais parti et puis brusquement yo ouais 4 mois passé en Europe en Espagne exact. Automatiquement la decline et transaction que, ou bien s'il allait sur ouais transaction passé sur un site bizarre donc pas habitué à aller automatiquement banque là qu'on des fois décliner transaction ça automatiquement avec le temps autrefois en Haïti il y a des banques et qui qu'on a l'habitude de contacter l'utilisateur pour lui dire que on a remarqué que une transaction de tel type passe sous carte de crédit, est-ce que c'est vous-même qui faites transaction, notamment soit autorisé ou refusé. Bon, et si nous avons partagé l'information carte de crédit par téléphone, il faut que nous utilisions un système sécurisé, par exemple, pour qu'il y ait une partie dans la carte de crédit. Via WhatsApp et puis ou bien l'autre partie via SMS et puis ou bien l'autre partie via appel, ça permet que ou compliquer tâche moun qui gen mauvaise intention kap sniffer réseau ou du moins c'est organe qu'on peut utiliser pour transmettre message. Et... autant que possible utiliser des médias ou bien des moyens de circulation qui encryptés. Si exact. Ou pas sûr que par exemple email par définition c'est pas un bagage qui est trop sûr donc toujours make sure que j'envoie l'un les sécuriser et sécuriser on avait dit les sceller et que c'est au même qui potel mais ça aussi sûr que pas quelqu'un monde qui ouvert donc toujours make sure que moyen qu'on utilise pour voyer données à lien son route qui sécurisé ou même qui encrypté. Ok, il y a une mesure de sécurité que nous sommes capables d'utiliser. Malheureusement, et c'est une seule banque en Haïti qui offre un système de mot de passe et unique là, qui c'est à travers un jeton qui génère password là une seule fois et après utilisation password ça ou obligé recréer un autre password qui pour permettre que ou reconnecter ce système là. Mais ces types de systèmes sont très robustes et ils permettent que clients utilisent des mots de, au lieu que utiliser des mots de passe et statiques, mais utiliser des mots de passe et uniques qu'on appelle des one-time password. La méthode que nous avons utilisée aussi, c'est pas utiliser même mots de passe non
nan men mot de pas ke nou itilize, pa itilize li nan tout sa ke nou gen. Par exemple, moun nan gen yon kont Gmail li itilize Kozitek 1.1 et Kozitek 1 kom mot de pas. Moun nan gen yon kont Yahoo li itilize Kozitek 1, se jist ke moun nan pa gen pou la pral chèche. Pa jamais écrit password ou nan stick note côté que sous desktop ordinateur nous on mon nek paraît li wè mot de passe non c'est toujours mieux que nous utiliser des mots de passe complexes mais c'est nous mêmes qui pou kembe li nan tête nous pour nous pas partager li ou pour que li pas disponible que n'importe qui malveillant capable gagner intention capable gagner accès à lui-même. Et si jamais que ou ta gagne des difficultés pour que ou songe différents mots de passe que yo pou diferan sistèm yo, sa ka fè ou kapab installe sou telefòn nou sa rele yon password manager. Password manager li menm tout sa gen pou fè se sonje on sèl gen password et puis ou enregistre tout lòt password yo nan aplikasyon. Donc lè sa, une fwa pou sonje sèl gen password la, ou genyen aksè a tout lòt password yo ki enregistre nan aplikasyon, ou ap dou tel sistèm, se tel password, tel sistèm. E gen de bank an Haiti, notamment de bank ki trè fréquenté qui a gagné ça qui les politiques de paperless côté que yo décourager client yo utiliser transaction papier pour combattre la fraude. Donc li plus facile pour moun faire fraude avec papier que l'on fait en ligne. Oui, li plus facile pour que moun en fait fraude avec transaction papier que yo fait li en ligne. Ça capable faire objet de l'autre émission Gaël puisque ça concerne plus et le corporate banking côté que grand pile banque en Haïti cap fait effort pour capable réduire l'utilisation de requêtes papier pour capable accéder pour effectuer des transactions bancaires. Merci Nieps pour excellente entrevue ça et à la prochaine. Merci Gaël pour occasion ça côté ban moi pour te parler avec tout internaute yo type sur jeune information Kozitek ça cap fait en pile gros travail et nous féliciter pour Gaël et nous féliciter encore une fois Gaël pour détermination ou et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Technologie changer façon bagaille au fait de changer façon nous vivre. De créer tout nouveau opportunité avec nouveau qualité de job. L'important pour nous apprendre maîtriser les outils ça pour nous capable créer plus de richesse pour tête nous.